Je vais vous raconter l'histoire d'un petit animal que vous connaissez bien. Il vit juste à côté de nous, dans nos forêts, nos parcs et nos jardins. On le voit souvent, enfin, on l'aperçoit souvent, mais juste un bref instant. Car il file si vite se cacher qu'en un seul bond, le voilà disparu. Vous l'avez reconnu ? Chez nous, il est tout roux. Et il a une queue aussi grande que son corps et des petites pattes avec de grandes griffes bien pratiques pour casser les noisettes. Alors, vous l'avez reconnu ? Mais oui, c'est l'écureuil. Un petit écureuil tout roux. Mais celui de mon histoire n'est pas tout à fait comme les autres. Alors écoutez. Il se nomme Willy et vit dans une des plus belles forêts de Normandie. Ce si joli pays avec ses pommiers, ses moutons et son herbe bien grasse. Willy a construit sa petite maison avec de la mousse et du feuillage. Et il l'a installée entre deux branches, tout en haut d'un grand chêne. Attention, pas n'importe quel chêne. C'est le plus ancien arbre de toute la forêt. Il paraît qu'il a plus de 1000 ans. Et il est devenu le meilleur ami de Willy. Notre petit écureuil, lui, vit ici depuis 2 ou 3 ans. Mais pour rien au monde, il ne voudrait changer. Depuis sa maison, il aperçoit toute la forêt, et encore plus loin, jusqu'au ciel, jusqu'à la mer. Il aime s'allonger sur le dos, la tête posée sur sa queue, et regarder le ciel et les étoiles. Il écoute les arbres. Pas seulement le bruissement des feuilles, non. Il écoute l'histoire de la forêt, l'histoire de son pays. Oui, l'histoire de la France. Son ami le Haut-Chêne lui raconte tous ses souvenirs. Les batailles qui ont eu lieu là, juste à côté. Les hommes avec leurs diligences et leurs chevaux qui sont passés par là. Les grands bateaux qui sont partis de la mer pour aller de l'autre côté de la terre. Toutes ces histoires qui ont des siècles et des siècles. Son ami le Haut-Chêne est la mémoire de la forêt. Oh, petit écureuil adore. Il a droit au moins à 2 histoires par jour. Le matin au réveil, le soir au coucher. Il ne s'en lasse pas. Il aime tout particulièrement les aventures de rois et de reines. Et justement, en fouillant dans la forêt, il a découvert des objets d'il y a très longtemps. Une vieille boucle de ceinture, un fer à cheval, une lampe à huile et même des pièces d'or. Mais un matin, au lever du soleil, la nature est comme pétrifiée. Les oiseaux ne gazouillent pas, les arbres ne frémissent plus. Tout s'est arrêté. Des hommes vont et viennent sur la petite route qui longe la forêt. Ils dessinent des croix sur les arbres. L'un d'eux s'approche du Haut-Chêne et le marque d'une croix blanche. Notre petit écureuil se rapproche discrètement d'eux pour les entendre. Celui-ci aussi, il faut l'abattre. Dommage, il est très très vieux. Mais les hommes sont devenus fous, se dit Willy. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent agrandir la route, lui répond son ami le chêne. Le petit écureuil a entendu dans la voix de son ami un faible sanglot. Oui, le vieux chêne pleure. Oui, il pleure. Il se croyait presque éternel. Willy, lui, se révolte. Non, les hommes n'ont pas le droit de faire ça. Ils ne savent pas qui tu es. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et puis si tu meurs, toutes les histoires vont disparaître, qui s'en souviendra ? Toi, Willy, tu te souviendras de toutes celles que je t'ai racontées ? Lui murmure son ami. Mais soudain, le petit écureuil a une idée magnifique. Il sautille sur les branches du Haut-Chêne, tout excité par son projet. Voilà, tu vas me les raconter, là, maintenant, tout de suite. Et je vais aller les transmettre d'arbre en arbre, aux plus jeunes, à ceux qui resteront. Ainsi la forêt va...